Grosse affaire. Ah, je pense bien. Ou pas. Comment ça? On dirait que vous n'êtes pas très au courant des lois. Bah, de quelle loi? Voyons, à qui achetez-vous? À Madame Crespo. Qui n'a aucun pouvoir pour vous la vendre. Vous permettez? Son mari étant interné, c'était qui dirige maintenant? Et s'il revenait? Ça serait tout de même un pro. Vous croyez? Hein? Putain, la Tocayas! Monsieur Crespo! Lui-même! Ah! On m'avait dit que je croyais que... Chut! Je sais ce qu'on vous a dit. On a voulu me... M'éloigner. M'éloigner pour me voler ma fabrique. Mais je... Association. Notre association sera fructueuse, monsieur Chabrier. Très fructueuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Charles! Ah, ma chère Liliane, comment... De vous tomber bien? Madame Crespo. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais toi, mais rien du tout, ma chère. Espèce de traître! Diese Frau hat getrunken! Lâchez-moi! Oh, on va te faire tuer! La cuillère! Raison, souhaitez-vous remettre la signature, cher monsieur? Mais j'ai pour règle de rien signer sans mon conseiller financier. Mais c'est parfait! Mais c'est parfait! Moi-même! Mais ça. Bonjour madame. Bonjour Chapieux. Excusez-moi madame, mais on m'a demandé de vous faire patienter. C'est une plaisanterie, qui vous a demandé ça? Monsieur Antoine. Quoi? Oui madame. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous devriez vous asseoir, la réunion ne va pas tarder à se terminer. Quelle réunion? Celle entre monsieur Antoine et Brica. La grande blatte? Ok, là ce sera bon, si vous le faites comme ça... Bonjour tout le monde. Bonjour madame Crespo. Crête! Bon sang, c'est pourtant pas difficile. Une syllabe. Un encore un peu? Hélas, oui. Oh, quelle pitié! Guten Tag. Guten Tag, Frau von Glut. C'est Guten Tag. Guten Tag. Frau von Glut. Guten Tag, Frau von Glut. Frau von Glut. Cela vous convient-il, chère Liliane? C'est moins que si j'avais traité seul. Mais c'est toujours plus que si mon frère était encore là. Arrêtez! Arrêtez tout! Qu'est-ce que c'est encore? Jean, que faites-vous ici? Je viens empêcher votre malversation. Quoi? Cette vente? Cette vente est illégale. Taisez-vous, imbécile! Vous ne deviez pas vendre, hein? Traîtresse, mais je vous ai percé à genoux. Cher monsieur, vous faites visiblement erreur. Mon frère étant interné, son épouse a désormais tout pouvoir pour gérer l'entreprise. Eh bien, non, figurez-vous, il est sorti car depuis Krebs plusieurs jours. Monsieur Krebs. Car Monsieur Krebs est sorti depuis plusieurs jours. Car Monsieur... Ah, la garce, je n'ai agi qu'à votre demande. Si tu savais comme je m'en suis voulu. J'ai essayé de te faire sortir, mais... Je sais, Mademoiselle Chapieux m'a tout expliqué. Chapieux? Qu'est-ce que ça signifie? Tous les moyens sont bons pour réussir, madame, n'est-ce pas? Espèce de sale petit! Moi, j'ai choisi celui de tout dire. Oui, si tu attends pas la fin de sa phrase, allez, t'as pas le... Christophe, prépare-toi. Chacun d'entre vous sera actionnaire et touchera une part des bénéfices. Ceci devrait nous éviter d'être... Voilà qui devrait nous permettre d'être à l'abri de la cupidité et de ne plus vivre de pareilles mésaventures. Si vous permettez, mademoiselle... Comment? C'était vous? Dame, qui voulez-vous que ça soit? Pas monsieur Krebs, tout de même. Krebs! Mais c'est ce que je dis, enfin!